Good morning, alle Iden. L'étude sera aujourd'hui les Zrout. Rivka bat Martin Miriam et son mari Yochai Nathanael ben Clara, les ben Zahar, Zara shel Kayama bekarov bezat Hashem. Et nous étudions Baba Kama Perek Gimel Mishnah Gimel. Amar lishnaim gazalti lechad mikem mané ve'en yodea eize mikem. O aviv shel echad mikem ifkid le mané ve'en yodea eize hu. Noten la zemane ve la zemane shehoda mipi atzmo. Une petite Mishnah, piment de Cayenne. Elle a l'air toute simple, toute inoffensive, et pourtant, si vous savez ce qu'il y a dedans, elle inclut, elle touche au grand thème qu'on a déjà introduit dans Baba Kama plusieurs fois déjà, des lois du Tohen Venit An, le plaignant et l'accusé. Il y a besoin de beaucoup d'introduction pour comprendre toute la portée de tous les mots de la Mishnah, mais je vous propose plutôt qu'on va la traduire. On va la situer, on va introduire quelques petites notions, et voilà. Alors, Amar Lishnaim, une personne débarque et vient et dit à deux personnes. Donc moi, je vais voir Reuven et Shimon, et je leur dis, Gazalti l'echad mikem mané. J'ai volé à l'un d'entre vous un mané, d'accord, une pièce de l'époque, sans shekel. Ve eni yodea eize mikem, mais j'ai un problème, je veux faire tshuva maintenant, et je ne sais plus à qui je le dois. Ou encore, je dis à ces deux personnes, oh, aviv shel echad mikem ifkid le mané. J'étais pas un voleur, j'étais plutôt un gardien. Et l'un de vos deux pères, Zatzal, soit le père de lui, soit l'autre, celui de Reuven ou celui de Shimon, l'un de vous deux m'a mis en dépôt chez moi un mané à lui surveiller, à lui garder. Et je ne sais plus qui était lequel des deux pères doit m'a mis en dépôt ce mané à qui je dois vous le rendre maintenant, vous les héritiers. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah nous dit Noten la zemane ve la zemane. Je devrais payer un mané à l'un et un mané à l'autre, dans le doute, parce que je ne sais pas qui était ma victime, de qui j'ai volé, ou bien je ne sais pas qui était le père des deux qui a mis en dépôt. Pour pouvoir m'acquitter de mon devoir, je devrais donner la somme à chacun d'entre eux, à l'un et à l'autre. Pourquoi? Shehoda mipiatzmo, car il a reconnu de sa propre bouche. Voilà pour la Mishnah. Et la particularité de cette Mishnah est qu'elle contredit apparemment plein de règles de Tohen Venit An, et que lorsqu'on fait attention dans les mots de la Mishnah, on réalise qu'en fait il n'y a aucune contradiction, et qu'on parle d'un cas très spécial. On parle en réalité, d'abord on va vous dire de quoi parle la Mishnah. La Mishnah parle en réalité d'une personne qui vient de son propre gré, sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Personne ne réclame rien du tout. Aucune des deux personnes ne le réclame. Mais lui vient de son propre gré. Pourquoi il vient de son propre gré? Comme ce qu'on a dit, pour faire tshuva. Alors, puisqu'il veut faire tshuva, s'il veut être yotze yedei shamayim, il veut s'acquitter face au ciel. Vous n'avez aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Mais lui, de son propre gré, il veut faire une vraie tshuva. Alors la Mishnah vient et lui dit, tu sais ce que tu fais? Donne à chacun un mané, comme ça tu t'acquittes face au ciel. Et tu arrives, Bezrat Hashem, en fait, de Tishri, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, blanc comme neige, tu pourras, Hashem, il va recevoir ta tshuva. D'accord? Donc en fait, on parle qu'il n'y a personne qui réclame. De cette Mishnah, on va maintenant déduire qu'est-ce qui se passera lorsque il y aura des personnes qui vont réclamer, qui vont se plaindre, qui vont réclamer, qui lui remboursent quelque chose. Alors maintenant, on va quand même faire un petit peu d'ordre dans les notions. Tout d'abord, la grande règle. Ze klal gadol bedin amotzi mechavero ala varaya. On l'a déjà mentionné plein de fois dans Baba Kama. La grande règle. Ze klal gadol bedin. C'est la grande règle de tous les jugements. Amotzi mechavero ala varaya. Celui qui vient faire sortir de l'argent de son prochain doit impérativement apporter une preuve dure, forte, dure comme du fer, pour venir faire ressortir de l'argent. Amotzi mechavero, celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, alav areaya, il doit apporter une preuve, pas des spéculations, pas de l'à peu près, du net, des témoins, un shtar, d'accord, des preuves bien nettes. Il ne peut pas ni venir jurer, il n'y a rien du tout. Ouais, on a déjà expliqué ça, déjà, plusieurs fois. Donc, de ce fait, si je viens et je vous réclame de me rembourser 1000 shekels que je vous ai prêté il y a un an.
Et vous me regardez, vous me dites, je sais pas du tout de quoi tu parles. Vous niez pas. Ouais. Vous dites pas le contraire. Et vous n'affirmez pas non plus. Vous en savez rien. Selon la halakha, vous devez rien me rembourser. Parce que même si je viens en affirmant, et vous, vous réagissez de manière même, incertaine, je sais pas, j'ai aucune idée, je me souviens pas, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être, aucune idée. Même si je suis, moi, ce qu'on appelle Bari, et vous, vous êtes Shema, moi, je suis certain, et vous, vous êtes incertain, indécis, malgré tout, vous êtes Mourzak, et vous ne me devez rien. Ça, c'est la halakha de base à connaître. À part ça, maintenant, alors maintenant, on va se retrouver dans cette... On va maintenant déduire de cette Mishnah qu'est-ce qui se passe, d'abord, lorsque les deux viennent et réclament d'abord au voleur, et lui disent « Hey, tu m'as volé !» Et le voleur dit « Je sais pas de quoi vous parlez. » Donc, le voleur ne doit rien. Cependant, selon la halakha, maintenant, c'est ça va être rapporté dans le Barthénois, donc déjà, on les introduit, puis ensuite, on le fera dans les mots. Lorsque les deux viennent et qu'ils disent « Tu m'as volé. » Et l'autre dit « Non, toi, tu m'as volé. À moi, tu m'as volé. » Et donc, chacun, maintenant, ils sont en discussion, maintenant, de qui j'ai volé le mané. Et moi, je suis là, je dis « Bon, écoutez, je vais vous dire franchement, c'est vrai que j'ai volé, mais une seule personne, pas deux. Je dois un mané, un autre, vous deux, je ne sais pas à qui. » Alors là, il y a une halakha spéciale qui implique que je dois rembourser à chacun un mané. Pour quelle raison ? Étant donné que j'ai vadaï, c'est sûr que j'ai transgressé l'interdit de voler, alors moi maintenant je suis quelque part en porte-à-faux. Et de ce fait, Khachami m'ont fait un knas, une amende, que je dois rembourser coûte que coûte le mané à chacun, selon la halakha. Même si en théorie, selon les règles de Tohen Venitan, du plaignant et de l'accusé, je ne dois pas rembourser le mané, je dois le mettre entre les deux, et je leur dis, tirez-vous les cheveux jusqu'à qu'il y en ait un qui l'emporte. Mais concrètement, puisque j'ai fauté, alors Ramé m'ont dit, tu dois rembourser à chacun un mané. Ça, c'est lorsque vous me réclamez. C'était la première notion importante. Il y a une deuxième notion, une petite seconde. Ouais. Maintenant, c'était ici. Lorsque vous venez et vous n'affirmez pas de manière certaine que je vous ai volé, vous dites... Tu n'as pas volé à un mané, mais je ne sais pas à qui le rembourser. C'est-à-dire, deux personnes viennent, mais n'affirment pas de manière certaine. Mais ils spéculent, ils supposent. Honnêtement, il n'y a pas ici une petite histoire, tu n'as pas volé à un mané. Et donc, personne n'est capable de me dire, moi, j'ai volé. Ils sont juste capables de me dire qu'ils supposent que c'est peut-être moi. Et moi, je leur dis, je vais vous dire, en réalité, j'ai volé un de vous deux, mais je ne sais pas qui. La halakha fixe que cette fois-ci, je donne le mané. Vous allez, je vais sortir un seul mané. Mais vous allez le partager entre vous deux, d'accord ? On n'a qu'à faire maintenant directement le Barthénois. Donc en fait, pour conclure cette Mishnah, on parle d'une Mishnah très spéciale où on parle de quelqu'un qui vient la Tzet Yedei Shamaim. Il vient s'acquitter face au ciel de... Il vient réparer sa faute. Ah, j'ai parlé essentiellement du cas du vol, mais c'est le même principe avec l'argent mis en dépôt par les parents des deux, par les pères des deux. Il y a une halakha aussi spéciale que, puisque je suis gardien, on est venu déposer de l'argent chez moi, autant que vous devez vous souvenir que vous avez mis de l'argent en dépôt chez moi, moi aussi je dois me souvenir qui a mis cet argent en dépôt. Retenez bien cette notion, parce que dans la prochaine Mishnah, ça va entrer en interférence, on réévoquera le problème quand on arrivera dans la Mishnah. Mais pour le moment, retenez ça. Lorsque vous venez demain toute seule, vous venez tout seul, vous me déposez 100 shekels, et moi maintenant je me retrouve maintenant avec ces 100 shekels en dépôt que je dois garder, j'ai un devoir plein en tant que gardien, de savoir qui m'a déposé cet argent. De ce fait, lorsque j'ai un doute à qui restituer cet argent, je ne sais plus qui me l'a mis en dépôt. Est-ce que c'est Réhouven ou Shimon ? Et même si Réhouven et Shimon ne me le réclament pas du tout, si je veux m'acquitter de mon devoir face au ciel, la Tzatzé des Shamaïm, la Mishnah m'enseigne au même titre. Je devrais rembourser à chacun, son 100 shekel ou son mané, comme c'est le cas de la Mishnah. D'accord ? Et de nouveau, lorsqu'ils viendront et qu'ils me réclameront, mais de manière incertaine, et qu'ils diront « je ne sais pas si c'est moi ou pas », alors la halakha fixera que je sors les 100 shekels, mais vous les coupez en deux, et si chacun vient et affirme de manière certaine « c'est moi qui t'ai déposé l'argent », et l'autre dit « non, c'est moi qui t'ai déposé l'argent », et moi je dis « je ne sais pas c'est lequel de vous deux », alors puisque je suis un chômeur, je suis un gardien, j'ai mon devoir de savoir à qui je le dois, et je ne sais pas, à qui je le dois en réalité, de ce fait je devrais rembourser un mané à chacun des deux, au même titre, c'est la Mishnah. On fait maintenant le Barthénois.
Amar lishnaim gazalti echad mikem. Il affirme à deux personnes. Il leur dit, j'ai volé l'un de vous deux. Vehem enam tovim lo klum. Et eux ne lui réclament rien du tout. Et la huba la tzatiyed shamaim. Lui, il vient pour s'acquitter face au ciel. La Mishnah lui fixe, noten les emanés, les emanés. Tu devras donner à chacun un mané. Aval shnaim shetavuhu veoda shegazal lechad mehem. Par contre, si les deux viennent et sont tovim, ils réclament de manière certaine. Et lui, il reconnaît qu'il a volé l'un d'entre eux. Ishava kol echad mehem shelo gazal. Chacun devra jurer que c'est lui la victime. Donc il y en aura un qui jurera à faux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun il affirme de manière certaine, chacun jurera que le voleur s'en est pris à lui, et ensuite, venoten manelese ou manelese, et il devra donner à chacun un mané. Comment c'est possible? Pourquoi je dois payer plus? Je suis mourzak, même si je suis un peu... malhonnête. Knas kansu chachamim mipne shavar alalotikzol. C'est une amende que les chachamim ont décrétée du fait qu'il a transgressé l'interdit de lotikzol, de tu ne voleras pas. Mechen shnaim shetavu lechad. Maintenant, on va parler du deuxième cas de la Mishnah, donc qui est pris en parallèle, le cas du pikadon de l'argent mis en dépôt. Deux personnes qui sont venues être tovim lechad, réclamées à une personne. Kol echad omer aviv kidetz lechamane. Chacun vient et affirme et dit, mon père avait mis en dépôt de l'argent chez toi. Veomer, aviv shalechad mekem, iniach li mane veni odeezu. Il est vrai que l'un des deux pères a effectivement mis de l'argent en dépôt chez moi, mais je ne sais pas c'était lequel des deux. Arei kol echad mehem nishba shaviv iniach etzlo mane. Chacun sera en droit, donc les enfants des deux pères qui ont mis éventuellement en dépôt, chacun jurera que c'est effectivement son père qui a mis l'argent en dépôt. Venoten mané lesé ou mané lesé. Et il devra payer à lui un mané et à l'autre un mané. Pourquoi? Dehiou, pacha benafshe, davele le meidak, velizkor, miniach, etzlo amané. Car c'est le gardien, le fautif, qui a été pocher. Donc il a été fautif, il a failli à son. Il a manqué à son devoir de garder. D'avel le meidak, car il aurait dû se souvenir, il aurait dû faire attention, velizkor et se souvenir, miniach et l'amané, qui a déposé chez lui un mané. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain, kol tov, c'est là.